Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit vlog juste pour vous. Normalement moi je suis pas un gars de vlog, ça c'est les trucs pour les autres, hein, les autres qui ont des caméras high tech. Moi je suis pauvre. Mais aujourd'hui je me suis dit quand même, pourquoi pas ne pas faire un vlog comme ci comme ça, made in China. Tu sais déjà, ok salut. Donc aujourd'hui on va aller coiffer quelqu'un chez lui, en fait à l'hôtel, quelque chose comme ça. Bon, pour aller coiffer quelqu'un, il faut bien s'équiper les gars, hein, tu peux pas aller comme ça, deux tondeuses et puis voilà, no. Il faut avoir un sac, hein. Moi j'ai mon sac de barbier, non ça fait, non regardez-moi ça. Regarde, je peux mettre ma tondeuse ici. Attends, je sais pas si tu vois, je peux mettre ma tondeuse ici, je peux mettre une brosse là, je peux mettre plein de choses, même les cahiers d'école. Bon, j'ai arrêté l'école depuis la maternelle, hein. Donc on va oublier l'école, ok. Donc après, dernièrement, donc comme je disais, dernièrement, j'ai acheté ce petit bijou là. Ce petit bijou là. Tac tac, je mets comme ça, papa. Je peux fermer tranquillement. Bam! Regardez-moi comment c'est cute, comment c'est beau, comment c'est joli. Oui, regardez-moi ça, on dirait une déesse. Voilà, là, là, là. Donc comme ça, tu peux fermer avec... Je peux le bloquer avec une clé. Et voilà, c'est comme une petite valise quoi. Donc quand tu vas aller coiffer, on va dire en dehors de la ville, t'es bien équipé, hein, tout est carré. Il y a tellement de place que tu peux mettre même ton enfant dedans. Regardez-moi ça, oh là là. Regardez, hein, tu es contente? Beaucoup de place pour toi petite. Ok, on y va. L'avantage avec cette valise, c'est comme tu peux le transformer en station de travail en même temps. Parce que quand tu vas travailler chez les gens, hein, c'est quand même dur de trouver une bonne place pour mettre tes affaires et ne pas créer le bordel. Tu vois, c'est décapotable, on dirait transformeur. Regardez-moi ça. Attends, je m'approche un peu, regardez. Tu peux placer ta tondeuse ici. Regardez-moi comment c'est. Je soulève même à l'intérieur, beaucoup d'espace. Voilà. Bon, on y va. Bon, je suis arrivé, mais je ne sais pas où aller. Il est où le gars? Wesh, on attend, hein? Where are you, my boy? Oh, il est là. Ça va ou quoi? En forme? Ouais. Ouais, tranquille, donc. On passe par où? Là, devant? Ouais. T'es là depuis quand? Ah, je suis arrivé mercredi. Mercredi? Ouais. Damn, ok. Bon, mon gars, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Attends, veux-tu que je te montre qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que tu veux? Comme la dernière fois, la photo 3D que t'as faite de moi, tu dois t'en souvenir. Ah ouais? À chaque fois qu'on se voit, tu fais un TikTok ou plein d'affaires. Ouais, vas-y. T'inquiète, hein. Tu peux t'asseoir, fais comme chez toi. En plus, si. Non, c'est même pas chez moi. C'était chez toi. T'es chez toi. Peut-être genre ça, une affaire comme ça. Tu te rappelles? Ça se souvient, c'est lui, hein. Regardez comment il était. Il était beau gosse. Mais oui. Regardez-moi ça. Ça fait longtemps. Ok mon gars, on y va, je suis masqué, eh oui, le masque contre le Covid. Ouais. Let's go mon gars, let's go. De merde. On fait ça. C'est bientôt fini hein ça. Covid c'est bientôt fini, ah ouais. Mais attends, vous ici, c'est qu'on va faire. Est-ce que Covid t'a texté pour dire que c'est fini? Non, ce serait non, bien. Jamais. Toi c'est 21h30 de couvre-feu ici. Couvre-feu, ben oui. Ok, hier j'étais dehors à 22h, il n'y a même pas de police. Il n'y avait pas de police? Oh t'es hors la loi mon gars. Là t'es hors la loi. Je suis revenu en taxi en plus, commence à avoir de la barbe mon gars. Hein? C'est de la merde. Tu commences à avoir de la barbe. Mais oui, la barbe c'est bon, c'est beau gosse, tu vas être viril. Hein? Maintenant il va falloir que je prenne des graviers avec barbe. Oui, c'est bon, ça va. T'es un jeune riche. Ouais. Hein, mon gars, $100 de plus, hein. Ouais, c'est pas grave ça, pour toi c'est rien. Peut-être que tu vas prendre ça, tu vas me jeter ça comme ça. Tu vas dire tiens. Ouais. À chaque fois je te donne $20 de plus. Genre. Ben oui, t'as bien. C'est un futur millionnaire les gars, futur millionnaire. Ouais.
Les projets pour devenir millionnaire, c'est quoi que tu vas faire? Je sais pas. Tu sais pas encore? Je voulais utiliser les bitcoins, mais là, les bitcoins? Ouais. Est-ce que tu... Si j'avais mis 10 000 cet été, en ce moment, je serais rendu riche. J'avais mis 300$, je suis rendu à 1900. Sérieux? Ouais. Mais non, pourquoi t'as pas mis plus? Parce que j'avais juste mis ça comme ça, puis je l'avais oublié. Ça fait juste 3 semaines, j'ai ouvert l'application. Hein. Et puis t'as vu 1000, waouh. Imagine t'avais mis 10 000. Mon gars, en ce moment, tu seras en train de rouler en lambeau. Ouais, hein? Non, sans permis, ouais. Sans permis. Monsieur hors la loi. T'allais m'envoyer même un hélicoptère, là. Un jet privé. Et au média que je viens me coiffer, là, chez moi, là. Ouais, ça va. Comme ça, tranquille. Genre à Miami, tu vois un peu? Ouais. Tu es venu? Ah mon gars, moi je cherche l'argent, je veux pas dire non. Si tu me cherches en, tu viens me chercher en jet privé. On dirait pas, hein. Je dirais pas non, frérot. C'est fini, je sais que ça va être une surprise. Hein. Ouais. Hein? T'as hâte d'aller voir ou quoi? Attends, est-ce que j'ai un. Attends. Là-bas, il y a un grand miroir. Il y a un grand miroir? Ok, c'est bon, vas-y, va regarder. Tu peux parler, tu peux crier, tu peux dire, on t'entend ici. Surprise! Attends, c'est quoi? Ah, tu vois pas, hein? Mais c'est. Ah, tu vois rien, hein? Ah, c'est pas grave, je te prends en photo. Assois-toi là? Ouais. Une caméra est en bas à droite, tu fais. Ouh. Je vais mettre ça en mode vidéo. Donc c'est ça. Et puis c'est bien. On va voir ça. Hein. Oh merde. Ah, c'est bien, c'est pour ça que c'était long. C'est pour ça que c'était long. Yes. Yo, yo. Ça a valu la peine de venir ici, hein. Ben oui, ben oui.